C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer bien sûr par l'unité de temps journalière, puisque c'est vendredi, on aura l'unité hebdomadaire un petit peu plus tard. Je vous rappelle que mon objectif est toujours un ralliement de cette oblique quasiment horizontale 1-3-5. Hein. La raison pour laquelle j'y crois, c'est notamment parce qu'on préserve la Tenkan depuis 3 séances, mais également et surtout parce qu'on a cassé le super trend ici. Et quand on casse le super trend, il est exceptionnel de ne pas faire un plus haut par rapport à la séance de hausse de super trend. Donc ça me semble relativement faisable. Hein. Notez également la longue mèche basse ici qui montre que les plus bas ont été achetés, signe d'un courant acheteur intrinsèque. Et quand on aura des indicateurs techniques, il est clair que la pression haussière s'affaiblit, mais elle est toujours là. Vous voyez le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50 et le momentum est in extremis au-dessus de 0. Notez la faiblesse des volumes, mais c'est normal, c'est dû à ce qui se passe aux États-Unis avec Thanksgiving. Bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Ça remet pas du tout en cause mon scénario de ralliement d'oblique noire. D'ailleurs, si on conjugue la bougie du jour avec les deux précédentes, c'est ce qui s'appelle un three inside up, hein. C'est un rami haussier confirmé en fait. Ça aussi, ça milite pour une continuation de la hausse. Hein. On verra ce que ça va donner par la suite. On bascule tout de suite du côté de l'hebdomadaire pour voir qu'il n'y a rien de neuf par rapport à la semaine dernière. Il faut surtout noter trois choses. La première des choses, c'est qu'au regard de l'Ishimoku, on est toujours dans le nuage. Donc ça veut dire qu'on est en tendance neutre, en unité de temps hebdomadaire. On remarquera également que les pics sont plats et que les creux sont ascendants. Ça veut dire qu'on n'est pas en tendance haussière, mais on est en tendance neutre. Si jamais on arrive à faire des creux ascendants et des pics ascendants, on sera en tendance haussière, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et pour compléter ce triptyque, on regarde de la moyenne mobile à 30 semaines que l'on suit hein, pour connaître la moyenne mobile de Weinstein. Eh bien, on voit que rien n'est fait puisque voilà, je vais la configurer. On voit que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci est plate, hein, elle n'a pas véritablement une pente haussière, donc c'est neutre. Donc c'est neutre au regard de l'Ishimoku, c'est neutre au regard de Weinstein et c'est neutre au regard de Do, clairement c'est neutre. On va terminer avec le mensuel, même si ce n'est que le 25, et on voit que on a toujours cette situation quand même assez dangereuse. Hein. Là je reprends la moyenne mobile à 20 mois, comme à mon habitude. Et on voit qu'on est toujours dans une situation très tendue, hein, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Ça, c'est très dangereux. Alors, même si on est au-dessus du nuage Ishimoku, ce qui nous vaut des tendances haussières au regard de certains indicateurs sur cette unité de temps, le fait que l'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois peut inquiéter quand elle descend. Regardez, ça s'est produit là. Ou encore ici, je l'ai suffisamment rappelé, donc alerte rouge quand même. Même si, encore une fois, le pire n'est pas... n'est pas garanti, hein, mais il faut quand même se méfier. Tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, on sera toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique.